Alors, je suis Michael Boyer, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et je suis en charge d'un département R&D au sein de l'entreprise Le Saffre, qui est un groupe familial situé dans la région lilloise, donc dans le nord de la France. Alors, pour me présenter, j'ai choisi de le faire en prenant cinq dimensions. Les deux premières, ce sont tout d'abord mes passions professionnelles qui sont de l'ordre de deux, donc la microbiologie et l'innovation. Alors, la microbiologie, c'est une discipline scientifique que j'ai expérimentée tout le long de mon parcours, de mon doctorat où j'ai travaillé en santé des plantes et pour comprendre en fait les interactions entre bactéries et plantes afin de trouver des solutions de biocontrôle ou de bionutrition et favoriser en fait la croissance des plantes. Ensuite, j'ai eu l'occasion de continuer en post-doctorat au CNRS pour travailler sur les virus chez l'homme, donc un autre pendant de la microbiologie, afin de comprendre un petit peu la diversité des virus chez l'homme et notamment d'essayer d'en identifier de nouveaux dans des cas de personnes malades, mais dont l'agent en fait infectieux n'est pas identifié. Puis ensuite, j'ai eu l'occasion d'expérimenter la microbiologie dans un cadre différent, dans l'industrie agroalimentaire, chez Danone, pour travailler sur les micro-organismes bénéfiques dans les produits fermentés, donc les probiotiques et les ferments que l'on retrouve dans un grand nombre d'aliments fermentés dans notre quotidien. Et puis aujourd'hui, donc, je suis chez Le Saffre qui place en fait la fermentation et les micro-organismes bénéfiques au sein du cœur de l'activité en fait de Le Saffre qui en fait un vrai moteur en fait d'innovation pour le groupe et pour soutenir la mission qui est de mieux protéger et nourrir la planète. Voilà. Le deuxième point, donc, c'est l'innovation, on y arrive, donc c'est ma deuxième passion et je crois fortement que la formation doctorale, que le doctorat est un vrai levier en fait pour aller transformer et translater, je dirais, la connaissance scientifique en vraie opportunité d'innovation, en vraie opportunité de business. Et comme je disais juste avant, le SAFRE met l'innovation au sein du groupe et considère que c'est un vrai moteur de croissance. Les trois autres dimensions que je voulais illustrer, ce sont des dimensions qui sont des vrais drivers, des sources d'énergie pour moi. La première, c'est la dynamique collective. Je pense que c'est extrêmement important de pouvoir travailler dans un environnement professionnel en collectif, en groupe de travail quand on travaille sur des projets, quand on anime une équipe, voire même des coopérations avec l'externe. Et chez Le Saffre, on anime un grand réseau de partenariats à l'externe avec des partenaires privés, des partenaires publics. Donc c'est extrêmement important pour, je dirais, pour la dynamique collective et pour nourrir l'innovation. La deuxième dimension, c'est la dynamique entrepreneuriale. Pour moi, prendre des risques, tester, expérimenter, apprendre de ses erreurs et de ses succès, c'est un vrai driver. Et j'ai pu l'expérimenter dans le passé aussi en étant promoteur d'une start-up qui a émergé. Et je dirais que chez Le Saffre, en fait, l'entrepreneuriat et l'entrepreneurship est une des valeurs du groupe et qui se traduit au quotidien par beaucoup de projets innovants. Le dernier point, la dernière dimension, c'est le bien-être. Je pense que c'est extrêmement important dans le cadre de professionnels de faire attention à son bien-être. Alors, quand je parle de bien-être, c'est la qualité de vie au travail, l'équilibre vie pro, vie perso, le contact avec la nature. Et je dirais que chez Le Saffre, on a la chance récemment d'avoir un groupe qui vient d'investir sur un nouveau campus qui s'inscrit dans plus de 20 hectares de nature et qui apporte en fait dans notre quotidien un vrai confort de travail et dans un environnement assez exceptionnel. Voilà, c'est pour présenter un petit peu de manière synthétique à la fois mon parcours et ce que peut amener le SAFRE au sein de sa structure.